Et bonjour, bonjour, bonjour à toi. Moi c'est Flo et bienvenue sur ma chaîne Les Énergies de Flo. Je finis de me préparer pour toi, ami Scorpion. Je suis en train de faire ton scorpion, ta vidéo astro pour le mois d'août. Pour le mois d'août. Que te réserve le mois d'août, ami Scorpion? Alors, je vais refaire, parce que j'étais pas satisfaite du premier tirage, et j'aimais pas. Tu vois, il y avait des énergies qui me déplaisaient, donc je me suis dit, on prend pas, on laisse couler ces énergies pour nos amis des scorpions, et on va refaire, alors, en espérant que ce soit autre chose. Donc, avec les murmures et avec les messagers. Ouais, je te montre comme ça, les murmures de Ganesh et les messagers. Et puis, on se fera un petit Under the Rose, un petit Le Normand, pour faire un peu dans la légèreté, un petit tirage sentimental été, sentimental estival, léger, plutôt dans le romantique. Alors, qu'est-ce que je peux déjà te dire, ami Scorpion. Alors déjà ici j'ai, alors il y a cette notion de guérison, je dis notion parce que il y a comme une bénédiction, donc c'est comme si tu attendais l'accord pour guérir. Donc là comme ça veut rien dire, hein, parce qu'on n'a pas besoin de l'accord de quelqu'un pour guérir, mais ça peut être un pardon. Ça peut être un pardon, peut-être que tu attends le pardon de quelqu'un. Je sais pas. Tu vois, il y a aussi, alors, tu prends comme tu prends, d'accord? Ça peut être plusieurs messages, ça peut être un message. Il n'y a que toi qui peux savoir si ça te parle ou pas. Moi, voilà, je peux pas savoir. Hein. Si je comprends pas, je comprends pas, c'est pas grave, je te le dis quand même. Après, oui, tu prends ce qui te plaît, ce qui te plaît pas, te prends pas la tête, hein. Laisse couler, d'accord? Donc, ici, j'ai aussi une joie, tu vois, une joie avec, en fait, il y a quelque chose de prospère ici, il y a quelque chose de, oui, de prospère, de, hop, tu vois, j'ai la prospérité et l'allégresse, hop, il y a une joie, je pense que, enfin, si tu as un projet que tu es en train de mettre en place, ou peut-être ton entreprise qui démarre, pas qui démarre, c'est pas l'entreprise qui démarre, mais qui cartonne, tu vois, ça fonctionne. Hop, là, il y a quelque chose qui va fonctionner, en fait. Il y a un truc qui va fonctionner. Et puis, j'ai la transformation personnelle avec l'expression enfantine. Donc, et là, moi, ce que je vois, c'est une évolution. Alors peut-être que tu passes de l'enfant à l'adulte, ou que aïe, tu commences à peut-être prendre les choses, peut-être la vie un peu plus au sérieux, un peu plus en tant qu'adulte. Mais il y a tout simplement une évolution, en fait, tout simplement. Une évolution. Les messagers que je te les montre parce qu'ils sont très beaux. Regarde comme elles sont belles. Les messagers d'Égypte. Donc nous avons Horus, Hathor et Sopdet. Sopdet. Je ne sais pas si je prononce bien. Hop. Alors que je fasse un effort pour apprendre. Alors on a Horus qui regarde vers l'avant, tu vois, Horus il avance, on a Hathor qui elle, hop, elle est là, c'est l'instant présent, elle te regarde, tu vois, hop, et on a Sopdet qui elle se retourne, et je vais poser les cartes pour t'en dire un petit peu plus. Alors je prends le bouquin pour m'aider quand même, et déjà je peux te dire qu'il y a de l'amour, il y a de l'amour et il y a une détermination. Donc tu vois, tu avances avec détermination,
vers l'amour avec Hathor, la belle Hathor. Donc là, il y a. Ouais. Et avec Sopdet. Je vais y arriver. Sopdet. Si j'ai du mal à trouver. Sopdet, on avait la lumière, je crois, la lueur, la générosité, la réception. Donc là, c'est comme si tu attendais justement cet amour. Donc là, il arrive. Là, tu. Alors là, la symbolique, donc dans le livre. Des messagers. On nous dit que tu illumines les ténèbres. Donc tu illumines en fait. Tu illumines. Et tu vois ici, tu es là en attente. Tu attends. Tu as fait. J'ai demain. Je n'ai que demain. Alors attends. Bon, déjà, le tirage est beaucoup mieux que l'autre jour. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc tu vois, là. En plus, là, c'est cool parce que les messagers nous parlent vraiment d'amour. Et moi qui voulais te faire après un tirage plus sentimental, romantique, mais là, tu vois, tu fonces un peu vers l'amour, tu y vas, tu es déterminé. Donc, tu as peut-être déjà rencontré quelqu'un, mais là, peut-être que tu n'osais pas, peut-être que tu n'osais pas aller vers cette personne, mais là, on y va, là, on y va. Et en plus, elle est là, elle t'attend, tu vois, à tort, elle est là, elle t'attend, elle attend que toi, elle est là, hop, elle t'attend. Et ici, avec Soptet, Sopdet, hop, eh bien, on a pareil. On a le côté d'attente, mais cette fois, on attend. Cette fois, c'est toi qui attends. Tu es en mode réception, réceptif, réceptivité, et toujours dans la lumière. Donc là, tu vois, tu brilles, tu brilles, tu brilles. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Ben rien, là il n'y a que ça qui me vient. Hein. Bon, ça, les cartes veulent dire d'autres choses. Hein. Les cartes ont d'autres choses, mais moi c'est ça qui me vient, donc je reste comme ça. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Ensuite, hop, je range un petit peu en même temps, je me fais un peu de place. Hein. Donc est-ce que je reviens un peu sur les murmures. Donc, je te disais qu'il y avait la guérison. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas justement cette guérison d'une blessure amoureuse et il y aurait cette guérison. Tu vois, là, on a la guérison. Et là, donc, avec la bénédiction, alors est-ce que ça serait pas attendre la sentence, enfin, je sais pas si on dit ça comme ça, attendre les, je sais pas, les papiers ou que le divorce soit acté, tu vois, soit ou que la séparation soit confirmée, ou tu vois, il y a peut-être ça, c'est peut-être ça la bénédiction, la guérison, la bénédiction, ça peut, dans ce que je suis en train de voir avec les messagers, ça peut représenter ça. Attendre justement la fin officielle de ta relation pour en démarrer une autre pour aller vers justement cet homme ou cette femme hein, avec Hathor, c'est là ici représente l'amour. Donc peut-être que toi tu n'attends que ça, tu vois, tu attends. Donc la bénédiction, je vois ça comme la fin officielle de ta relation, ce qui serait une guérison pour aller avec détermination vers cette personne que tu as déjà. Alors, je ne dis pas que c'est une relation que tu as déjà entamée pendant ta relation, nan, ça, c'est ton affaire, c'est pas la mienne. Mais voilà, et là, il y a une attente. En fait, cet amour est en attente. Cet amour est en attente. Et voilà, tu as la détermination, tu vas y aller, tu vas y aller, mais cet amour est en attente. Et c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Là, comme ça, alors bon, je m'étais dit que j'allais arrêter d'essayer de faire plein de versions, genre célibataire, couple, spirituel, plus terre à terre, etc. Je crois que je vais arrêter de faire ça parce que je suis en train de tout. Après, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de boulot en fait. Donc, je pense que je vais partir de des prochaines vidéos, je vais faire vraiment comme je sens. Si ça sort spirituel, ça sera spirituel. Si ça sort terre à terre, ça sera terre à terre. Si ça sort pour les célibataires, etc., etc., je me concentrerai. Mais là,
Peut-être aussi qu'on a un côté de guérir, un côté de guérir, d'une guérison dans le couple. Tu vois peut-être qu'il y a un petit souci dans ton couple et justement, il y a, voilà, peut-être que tu attends le pardon. Ou qu'on te pardonne, ou peut-être que c'est à toi. Mais bon, là, si je pars dans ce sens-là, on a besoin d'une... Alors, que je te dise dans l'ordre, on a besoin d'une bénédiction pour guérir. Donc, on a besoin d'un pardon pour... Et, pour le coup, aller vivre cet amour qui, là, serait avec ton couple, hein, actuel. Hein. Là, je suis passé sur un autre. Hein. Là, c'est plus pour les célibataires. Donc, tu vois, il y a quelque chose à guérir pour... Et ton amour, je dis ton amour, hein, homme, femme, tu te démerdes. Ton amour, parce que Hathor n'est pas... Bon, c'est une déesse féminine, hein, c'est une femme, mais là, elle représente l'amour. Après, voilà. Homme ou femme, on s'en fout. C'est... L'amour est universel. On aime, et on aime. Oui, Scorpion, on t'aime, même si tu piques, même si tu piques que tu peux faire mal, on t'aime quand même. On t'aime, on t'aime. On a l'antidote. Bon, donc tu vois, là, ton couple est justement en attente de... Ah, attends. Je me mets dans le bon sens. Tu vois, là, ton couple est en attente. N'attends que ça, en fait. Hop. De se réunir, tu vois. L'amour, d'accord, pour se réunir. Et pour ça, eh bien, il va falloir que un de vous deux pardonne pour pouvoir justement aller de l'avant. Pardonner quoi? J'en sais rien et je ne chercherai pas. Pourquoi? Parce que c'est général et que je vais pas me perdre. Je me perds si je pars dans le là. On est en général, donc tu vois, j'ai personne en face de moi. Je ne sais pas à qui je m'adresse exactement. Donc chacun de vous a sa vie, a son histoire, etc., etc. Donc là, comme ça, je ne peux pas pour tout le monde. Qu'est-ce que je peux dire? Peut-être qu'il y a besoin de grandir, tu vois. Avec l'esprit, l'expression enfantine et la transformation personnelle, peut-être qu'un de vous deux doit grandir, doit mûrir, doit devenir un peu plus adulte. Ou tout simplement l'amour, cet amour que vous avez, ben, il faut peut-être le faire grandir. Et si je reste du côté, ben, je suis très content là parce que là, alors c'est presque du 100% amour. Ton tirage et du coup eh bien avec l'allégresse et la prospérité si je pars dans ce sens de amour eh bien l'amour est là il est prospère il est en abondance donc là il n'y a pas grand chose à dire l'amour est là tout va dépendre après de toi de ce que tu de ce que tu... bah, je sais pas, de toi. Voilà. Voilà. De toute façon, dans un couple, il y a toujours comment on appelle ça? Des concessions. Concession. Concession. Je sais pas, depuis aujourd'hui, depuis tout à l'heure, là, depuis tout à l'heure, j'ai un petit problème avec certains mots, avec les... Bref, faut trouver un accord en fait. Hein. C'est ça la vie de couple. Hein. Il faut qu'on trouve un accord. Ben voilà. Un jour, c'est toi qui fait des efforts. Le lendemain, c'est moi, etc., etc. Ben, essayons de faire des efforts ensemble. Ça fera grandir notre amour. Tu vois? C'est dans ce sens-là. Ben, c'est exactement ce que. C'est un peu les murmures, c'est les murmures là, les murmures de Ganesh. Allez, je fais quand même, hein, je continue quand même un petit peu avec le Normand Under the Rose. Alors, qui peut être un autre message complètement différent pour des personnes complètement différentes. Là, j'ai quelque chose.
Je sais pas si je dirais de cacher, mais peut-être avec la lune et puis le fouet. Enfin, le fouet, je peux dire un fouet, oui. J'ai envie de dire, il y a un petit truc de cacher. Peut-être un. Alors, après. Hop, attends, hein. Attends. J'attends qu'il y ait plus de cartes. Ça sera plus facile pour moi aussi. Déjà là, comme ça, il y a comme un engagement qui est rompu. Un engagement rompu. Le soleil dans la lumière. Le soleil dans la lumière. Le soleil dans la maison. La maison qui est illuminée, qui brille. Donc déjà, il y a quelque chose. Enfin, c'est bien, c'est bon. C'est bon signe. Alors peut-être que tu te poses des questions par rapport à chez toi. Moi, ce que je vois, c'est une maison qui brille, hein, qui brille, qui brille, qui illumine. Donc, si tu te poses une question par rapport à chez toi, ton lieu d'habitation ou à un lieu, là, ça brille. Alors, je suis en train de me dire, est-ce que. Bon, si tu cherches peut-être un logement ou quelque chose et que tu as visité dernièrement, il y a quelque chose qui brille par rapport à la maison, au foyer. Bon, après, c'est la base, je voulais faire quelque chose de sentimental, mais vu que le sentimental a l'air d'être sorti avec les murmures et les messagers, peut-être que du coup, ils ont inversé, tiens, ils m'ont fait le coup d'inverser les messages. Alors, est-ce que j'en reprends encore? Ici, pour un homme, on a le besoin d'ancrer quelque chose, d'ancrer quelque chose. C'est un homme qui essaie d'ancrer quelque chose en toi. Mais moi, je vois pas quelqu'un. C'est pas que c'est pas quelqu'un de bien, mais il y a comme pas en tourloupe, mais c'est un petit filou ou un petit rusé. Rusé, peut-être, plutôt. Rusé. Qui va essayer de. Non, qui va essayer rien du tout. Pourquoi je me mets à compter là? Rien du tout, rien du tout. Ça a peut-être un rapport avec cette histoire d'engagement que l'on coupe. On coupe un engagement et on le coupe à la racine. Donc on le coupe vraiment, vraiment, vraiment pour ne plus revenir dessus. Donc on met vraiment fin. Alors moi là, les cartes, elles sont tombées en groupe. Donc du coup, j'ai plusieurs messages différents, je pense. Donc pour certains, il y a peut-être. Les obstacles, on les franchit lentement. D'accord? Là, il y a. Ah yeah, on est passé en fait. On est passé au-dessus des obstacles. Donc pour certains d'entre vous, certaines, on est passé. Vous êtes passé au-delà des obstacles et maintenant vous avancez lentement. Mais c'est peut-être pas pour rien que vous allez doucement maintenant. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Alors peut-être une relation éphémère? La nuit. La nuit, une petite aventure torride sous nos températures. Je sais pas si elles sont tropicales, mais elles sont quand même assez caliente, caliente, les températures en ce moment. Ben écoute, ici, en tout cas, pour certains, il va y avoir ce côté de légèreté. Donc, on va dire. Célibataire, enfin là j'ai pas de. Mais bon, je suis pas là non plus pour dire quoi que ce soit, je m'en fous, c'est pas le but du tirage. Ben je crois que c'est tout, je crois que c'est tout. Je vais quand même te faire quelques cartes avec l'oracle des énergies parce que j'en ai envie. Tout simplement, tout simplement. Donc ce tirage, ami Scorpion. S'il te plaît, viens pas me piquer, hein, viens pas me piquer. Quoique non, j'ai jamais.
été piqué par un scorpion. Pardon. Les énergies. Oui, alors je voulais te dire, oui, parce que là je me perds. Bon, de toute façon, on est fin juillet, ça sortira fin. Oui, ben oui, ça sortira, non, là, c'est vendredi, on est vendredi 29, je crois. Donc, tu verras, peut-être que ça a déjà commencé, peut-être que ça débordera sur septembre. C'est à voir. À voir. N'hésite pas à mettre un petit commentaire. Et ici, on a déjà une énergie. Alors, je devais te dire prudence, il y a de l'envie, il y a de l'envie, de la jalousie. De la jalousie. Alors là, on est en énergie. Hein. Là, c'est pas. S'il y a pas, il n'y aura pas de message. Je vais pas te donner de message. Je te dis juste les énergies qui vont planer, pour le dire d'une certaine façon, planer autour de toi. Donc, sois prudent. Il va y avoir de l'énergie, de la jalousie, de l'envie autour de toi. Il y a de l'argent, une énergie d'argent, une énergie. Alors, tout à l'heure, je te parlais un peu de projet, de prospérité. Donc, voilà, il y a aussi une énergie d'action et de combat, d'action, tu vois, d'être dans l'action aussi. Tout à l'heure, il y avait, oui, pour l'amour, là, avec Horus, on avait la détermination. Ici, avec Under the Rose, il y a un homme un peu, voilà, je sais pas, comme si un homme essayait de t'ancrer des choses dans la tête, ou tu vois, ou je sais pas, ou peut-être que tu vas faire une rencontre qui et cette personne va essayer ben, je sais pas. Je sais pas, je vais pas inventer, je sais pas, ancrer quelque chose en toi, tu vois. Et bien là, il y a le côté combatif, tu vois, le côté. Bon, là, c'est la carte des hostilités, mais tu vois, avec son épée, je vois bien ça en combat et surtout dans l'action. Dans l'action. Mais l'action, elle y est aussi avec les murmures. Hein. On a l'action dans ce que je te disais, la bénédiction, le pardon. Pour pouvoir avancer, pour pouvoir guérir, pour te soulager, tu as besoin de pardon ou de pardonner. Il y a quelque chose comme ça. Et il y a aussi de l'action dans la transformation aussi de toi, de passer de mûrir, ou mûrir ton amour, ou le couple, ou peut-être aussi, puisqu'il y a, je pense qu'il y a aussi là un projet, une activité, en tout cas financière. Du coup, peut-être que là aussi, il y a quelque chose à travailler, à transformer. Mais en tout cas, on est dans l'action. Donc, soit dans l'action, continue à être dans l'action. Et il y en avait une autre, c'est celle-là. Et on a Métatron avec le troisième œil, le chakra du troisième œil. Métatron qui est là. Donc, n'hésite pas à lui demander de l'aide. N'hésite pas. Et bah, il y a peut-être aussi beaucoup d'intuition pour certains, certaines. Avec le troisième œil, peut-être qu'il y a un début ou un re-éveil. Je regarde, je regarde, je regarde. Ou alors plutôt dans ce que j'étais au début de une nouvelle. Quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Enfin bref, les énergies intuitives. Ouais, allez. On est dans l'intuition. Donc voilà pour les énergies. Je ne vais pas t'en prendre d'autres. Ça va suffire. C'est pas mal. En tout cas, moi personnellement, cette vidéo me convient mieux que la première. Et pour toi aussi, crois-moi, fais-moi confiance, fais-moi confiance. Bon, je te dis merci d'avoir regardé. Merci au nouveau. Venu et à très très bientôt, à très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!